suis aujourd'hui vraiment, nous sommes à un croisé de chemin sur l'argan. L'argan qui est aujourd'hui, avec le salon qui s'est déroulé cette semaine, le congrès scientifique, l'argan aujourd'hui vit peut-être des très mauvaises heures de son existence. Puisque l'argan a toujours été lié à l'économie solidaire et à travail de milliers de femmes dans leur village, dans leur douar. Aujourd'hui, on est en train de vivre un chamboulement puisqu'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'installent et puis prennent la part de marché de ces femmes et de ces entreprises, de ces coopératives. Aujourd'hui, le défi va être comment défendre ce travail qui est cette économie solidaire et ce commerce équitable. Puisque la femme ne sait faire dans sa montagne que ça. Aujourd'hui, les entreprises qui prennent ce marché sont en train d'amener une nouvelle façon de travailler qui est une purement commerciale, leur cherche du profit qui va vraiment déstabiliser la filière puisque l'argan a toujours été connu d'être un produit lié à un travail d'une femme. Donc l'export aujourd'hui, 90% exporté de l'argan, et c'est qu'en vrac, on n'exporte que l'argan en vrac aujourd'hui, 90% de ce vrac, il est exporté par des entreprises. Donc ce qui reste pour ces femmes et ces coopératives, il y a très très peu de marge pour elles. On est en train de voir comme quoi ils sont en train de mourir et de les unes après les autres. Donc notre but aujourd'hui, c'est vraiment un plan pour les sauver de cette catastrophe, puisque vous savez que l'argan aujourd'hui, c'est 44 000 femmes directes qui travaillent sur ce secteur. Et donc, comment c'est que demander à ces entreprises, peut-être au départ, puis les obliger à valoriser à l'intérieur du Maroc ce produit-là. Vous savez aussi que l'argan est lié énormément à la cosmétique qui est elle-même liée à la mode. Et tout ce qui est mode se démode, comme c'est arrivé à plein d'autres ingrédients, comme le beurre de karité dans les années 90-2000. Aujourd'hui, on ne voudrait pas que l'argan soit aussi une matière démodée vis-à-vis de ces grands pourvoyeurs de commandes sur cette matière. Aujourd'hui, comment ne pas qu'il reste toujours, c'est convertir aussi cet argan dans le médical. Puisque si argan demain devient un ingrédient médical, ça serait, on aurait minimum 20-30 ans encore d'exploitation sur l'argan. Et aussi, comment aussi l'intégrer comme une matière dans tout ce qui est plat cuisiné en Europe. Pourquoi pas trouver des pizzas à l'argan, des salades à l'argan et tout ça. Et puis là aussi, c'est si on commence à habituer les Occidentaux à ce goût, hein, on va avoir aussi des grandes positions sur le marché européen. Le laboratoire Cosmaline a plusieurs marques, donc dont justement la Ormana, c'est or du Maroc naturel. Nous avons aussi Ornès, qui est une autre marque de la gamme qui est là, donc Ornès, donc qui est en pharmacie, parapharmacie. Nous avons d'autres marques comme l'huile précieuse et nous lançons aussi le premier parfum à l'argan, à la figue de Barbarie sur le marché international. Nous exportons aujourd'hui sur 4 continents dans le monde. Nous sommes présents un bureau à Los Angeles, nous sommes présents sur le Moyen-Orient et bientôt, on ouvrira un grand espace à Amsterdam. Donc, il va distribuer dans toute l'Europe. Nos marques sont toutes certifiées, les vraies certifications, c'est-à-dire l'ISO 22716, qui est liée à la cosmétique. Nous avons tous les dossiers, les passeports européens et américains pour tous nos produits. Nous sommes aussi certifiés auprès du ministère de la Santé marocain, donc, qui est très important aussi. Nous avons aussi les certificats européens de très grande facture. Donc, et aussi, nous avons aussi
tout ce qui est ce qu'on appelle les process. Et nous sommes certifiés par le bureau Veritas sur tous les process de la réception de la marchandise jusqu'au produit fini. Sans oublier aussi qu'auprès de grands laboratoires d'analyse en Europe, nous avons fait tous les tests, ce qu'on appelle les tests in vitro et in vivo, pour prouver l'efficacité de tous les produits que nous proposons aujourd'hui. Aujourd'hui, cette réussite qui est la nôtre, elle ne peut être vraiment complète que si toutes ces femmes qui sont derrière les produits comme l'argan, comme la figue de Barbarie, comme le safran à Taliouine et tout ça, ne bénéficient pas de notre réussite. Et comment bénéficier? C'est d'avoir plus de moyens matériels pour qu'elles vivent dignement. Et aujourd'hui, prenons que le cas de l'argan, où il y a plus de 40 et quelques mille femmes qui travaillent, et il y a une surexploitation de ces femmes sur lequel nous sommes complètement contre. Et on voudrait, moi, dans ma boîte qui est aujourd'hui Cosmaline, je suis prêt à acheter chez cette huile deux fois à trois fois le prix qu'elle est vendue aujourd'hui. Elle est vendue aujourd'hui à 210 dirhams. Moi, je suis prêt à la payer à 600, à 500, à 600 dirhams, puisqu'aujourd'hui, j'achète une huile qui s'appelle l'huile de figue de Barbarie à 3500 dirhams. Donc, ça veut dire que l'argan, je peux l'acheter aussi à 500, à 600. Mais à condition que cet argent-là, il va directement à cette femme qui est dans la montagne. On achète des ingrédients à l'étranger, comme la bave d'escargot à plus de 10 000 dirhams le litre, on pourrait donner plus de moyens à ces femmes. Et ça, c'est vraiment un cri que je lance à dire à tous les gens qui ont la responsabilité dans ce domaine-là, s'il vous plaît, sauvons le travail de ces femmes-là. Parce que moi, étant qu'entreprise, si ça ne marche pas, ce secteur, je vais aller dans un autre secteur, peut-être qui marchera. Mais cette femme-là, elle n'a pas d'autre secteur où elle peut aller si un jour elle n'aura plus à gagner son gain-pain. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.